s'intitule Chauffeur, suivez cette voiture, Léo. Bonsoir Léo, comment vas-tu? Bon Noël? T'as reçu ça du Père Noël? Non. T'es drôlement jolie, dis donc. Ah bah oui, mais c'est il faut aller aux puces pour s'habiller comme mon ami Julien. Oh, tu sais, les puces, je connais. Hein. Ah, tu sais que c'est le plus grand créateur de la place de Paris, les puces, on y trouve. Moi, je fais un peu de pub pour les puces, c'est vrai. Le samedi, le dimanche et lundi, si vous vous ennuyez, vous allez soit à Montreuil, soit à Porte de Clignancourt. Et là, vous trouvez tout ce que vous voulez. Vous allez même dans le stand des mauvais garçons. Et là, vous vous sapez correct. Alors, dis-moi, ma petite Léo. Oui. T'es une toute jeune maman, c'est ton premier Noël de maman. Oui. Et la petite Nubia, comment va-t-elle? Elle va très bien. Bon, alors, attention. Dernier bulletin de nouvelles de ma fille, parce qu'elle m'a dit l'autre jour, écoute maman, j'en ai un peu marre, hein, parce que tu parles tout le temps de moi. Franchement, je cherche pas à faire ta promo. Alors elle pèse 5,5 kg, elle est très belle, et puis ce sera la dernière fois avant qu'elle ait 20 ans. Et alors à ce moment-là, elle viendra parler elle-même d'elle. Justement, est-ce que tu l'imagines à 20 ans, ta fille? Je ne l'imagine pas parce qu'elle ressemble à son père, alors j'espère que ça va s'arranger après. Julien avait une question à te poser à propos de Nubia. Nubia, est-ce que tu l'allaites avec le biberon ou le néné? Je l'allaite avec les nénés, vois-tu? Oui. Parce que si je ne l'allaitais pas, j'aurais pas de néné. Parce qu'en général, j'en ai pas. Enfin, tu n'as pas vu en dessous. Bon, on va tout savoir avec Léo ce soir. Je m'excuse, mesdames et messieurs les téléspectateurs, je suis désolé en ce soir de Noël. Dis-moi, hier soir, tu as fêté les fêtes de Noël avec Dans famille? Tout le monde, oui, bien sûr, toujours. Tu as été gâtée? Oh oui, j'ai été gâtée plus que je le mérite, mais ça m'a fait plaisir, tant mieux. Très bien. Est-ce que tu as des projets pour l'année qui vient maintenant?
Oui, j'ai surtout le projet de disparaître un peu parce que j'ai vraiment l'impression que je tape sur si que je tape sur le système à tout le monde. Mais non, pas du tout. Elle vous tape sur le système, Léon. Bon, alors, qu'est-ce que tu racontes? Enfin, voilà. En tout cas, je vais partir un petit peu, préparer des nouvelles chansons et puis voilà, essayer de revenir pour amuser encore les gens avec quelque chose de nouveau. Tout à fait. Est-ce que tu as quelque chose à dire à Sylvie Vartan ici au premier rang, Carlos et Elsa? Ben, quelque chose à dire, écoute. Tu la connais, Sylvie? Je ne connais pas Sylvie, non, je la connais. Bien sûr, oui, je la connais, je connais ses chansons, je connais très bien Shang Shang Aleng et toutes des chansons comme ça que j'adorais complètement, mais est-ce je que la tu connais rêves de faire 25 ans de carrière? Si je rêve de faire 25 ans de carrière? Oui. Je ne sais pas, je ne rêve pas d'une carrière, c'est très bizarre. Moi, je rêve de faire des chansons et de m'amuser en les faisant et parfois de faire pleurer en les faisant. En tout cas, qu'il se passe toujours quelque chose d'intense quand on fait ce métier, parce que c'est un métier qui vaut la peine de le faire que comme ça. Mais j'arrive pas à me projeter vraiment en termes de carrière, j'ai beaucoup de mal. Mais je trouve ça bien quand on a envie de le faire, qu'on puisse le faire le plus longtemps possible, c'est sûr. Tout à fait. C'est ce que doit penser mon prochain invité ce soir, qui a été le créateur, en tout cas, qui a fait partie d'un groupe illustre qui s'appelait Téléphone. Et depuis, le groupe s'est complètement interrompu. Et nous allons maintenant parler de Michel Thor. Oui, n'est-ce pas? Alors, je disais... Oui. C'est sûrement ce que doit penser Michel Thor. Car elle aussi, tout comme Sylvie Vartan et Carlos, elle va fêter ses 25 ans de carrière. Oui. Tu la connais, Michel Thor? Je la connais aussi. Très bien. Alors, elle est là ce soir. Elle nous chante sa chanson que toute l'équipe de VCF aime bien. En particulier, Thierry Malaterre, le garçon qui fait les lumières. Il a demandé personnellement à ce qu'elle revienne. Nous l'avons invitée ce soir du 25 décembre. Mademoiselle Michel Thor qui chante « I remember you ». Michel Thor, et il a reformé un autre groupe avec des copains, lui, un groupe formidable qui s'appelle Jean-Louis Aubert & Co. Il a fait une tournée triomphale et ce soir il nous revient avec une chanson qui s'appelle